Allez, on va parler aujourd'hui de location courte durée et on va répondre à cette question: comment faire pour automatiser l'entrée des voyageurs? Parce qu'évidemment, quand vous faites de la location courte durée, votre objectif, c'est d'optimiser votre chiffre d'affaires et donc de maximiser les revenus locatifs et de réduire les dépenses. Et si vous devez payer à chaque fois un prestataire de service pour remettre les clés aux voyageurs, ça va vous coûter un bras. On va donc voir aujourd'hui comment réduire les coûts et optimiser les entrées des voyageurs. Et pour ça, vous avez la possibilité d'utiliser des boîtes à clés. Alors, il y a des boîtes à clés mécaniques qui existent de type Master Lock, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des boîtes à clés numériques. Je vous recommande par exemple les produits de Igloo Home. Mais vous avez aussi la possibilité de mettre en place des serrures connectées. Là aussi, regardez du côté de la gamme de produits de chez Igloo Home. Et l'avantage d'utiliser des serrures connectées ou des boîtes à clés numériques, c'est que le code pour entrer dans votre appartement va changer d'un voyageur à l'autre. Ainsi, si un voyageur a réservé chez vous du 1er janvier au 5 janvier par exemple, eh bien, il ne pourra pas rentrer dans l'appartement le 6 janvier parce que le code pour le 6 janvier aura été généré pour le voyageur suivant. Alors, vous vous posez peut-être cette question. Oui, mais dans certaines copropriétés, eh bien, on a besoin d'un vigique pour entrer dans l'immeuble. Comment ça se passe? Eh bien, là aussi, il y a des solutions qui existent. Regardez du côté de Easy Smart Lock. Il y a des petits boîtiers qui s'installent à côté de l'interphone dans votre appartement et ainsi, le voyageur, lorsqu'il va se retrouver en bas de l'immeuble, va composer un numéro de téléphone. Lorsqu'il va appeler ce numéro de téléphone, ça va envoyer un signal au niveau de l'interphone et la porte d'entrée de la résidence va s'ouvrir. Voilà quelques solutions pour automatiser l'entrée des voyageurs dans vos logements sans besoin d'une personne physique qui remette les clés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.